En Algérie, l'Église catholique a organisé une cérémonie de béatification dans la ville côtière d'Oran pour 7 moines et 12 membres du clergé tués pendant la guerre civile en 1996. Une première béatification organisée dans un pays musulman et assistée par 1200 personnes. Les proches des bienheureux côtoyaient le clergé d'Algérie, des religieux catholiques et des imams. Je suis là aujourd'hui pour rendre hommage aux moines de Tibarine et notamment le frère Luc qui est mon arrière-grand-oncle. Il était donc médecin avec les moines de Tibarine et médecin pour les populations locales. Et il portait un message de fraternité avec les populations locales qu'on a envie de voir transparaître ici. Et ces moines étaient aussi un beau message de fraternité entre Français, Européens et Algériens. Et c'est aussi ça qu'on est venu célébrer aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un jour extrêmement important, à la fois entre les chrétiens et l'islam, entre la France et l'Algérie. Et quand on sait l'histoire un peu difficile, eh bien les pages maintenant se tournent et on écrit des pages ensemble. Et ça, c'est un vivre ensemble qu'on souhaite pour le monde entier. En tout cas, c'est à nous de le faire et on le fait maintenant, ici. Les accolades entre prêtres et imams présents lors du geste de paix de la messe ont été très applaudies. Environ 200 000 personnes ont été tuées en Algérie au cours de plus d'une décennie de violence qui a éclaté au début des années 1990 entre les militants islamistes et les forces de sécurité. Le conflit a été marqué par des massacres et le meurtre de civils.